Et salut à tous, c'est Redcov, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va très bien. Cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo introduction race, hein, on va dire, des gobelins. Alors on va lancer tout de suite hein, avec mon personnage Attrapsou, qui est un voleur gobelin. Et on est en Ah, compagnie de Peste. bonjour, 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 bonjour. qui jouera un gobelin je ne sais quoi. Une femme guerrière en plus, Une femme hein. guerrière, ah. Ça fait une nouvelle carte dans le milieu, ça. Que chez les Nordiques. C'est vrai. Tout à fait. Bah. Cinématique. Les gobelins de Kaizan, sournois et rusés, jouissent d'une paix relative depuis des générations. Certains s'étaient alliés aux envahisseurs orques pendant la Deuxième Guerre, mais la plupart conservèrent leur neutralité au cours des conflits entre l'Alliance et la Horde. Dirigés par des princes marchands aussi corrompus qu'influents, les gobelins se sont créés un véritable paradis dans les îles des mers du Sud. Leurs ingénieuses inventions et leur grande flotte marchande ont contribué à faire de leur capitale, Kaizan, une grande merveille technologique du monde. Mais aujourd'hui, les éléments déchaînent leur colère à travers le monde. Et le paradis mécanique des gobelins va être durement éprouvé. Car très bientôt, le destin les forcera à choisir leur camp dans un conflit qui va changer l'histoire du monde. Donc voilà, cinématique finie, on apprend que les gobelins c'était des petits... des gros fils de pute. Non, vraiment... T'as jamais été des fils de pute, les gobelins. C'est des esclaves des trolls. Ah, Alors, comme je suis hop, belle, voilà. mmh. Mon fier, Tom. Donc, ouais, voilà. Alors, j'aime bien, c'est qu'à la fin, ils nous disent, ouais, va changer la face du monde. Mais, genre, tu sais, genre, le choix de leur camp va changer la face du monde. Mais, genre, t'as trop l'impression, genre, si tu pouvais rejoindre, tu sais, soit l'Alliance, soit l'Horde. Bon, là, c'est l'Horde, hein, bien sûr. Donc parlons à Shippy Serlavis, oula. Votre assistant de direction. Le contremaître, mes chumines, vous cherche partout à cause de problèmes que nous allons dans la Cajamine. Il a parlé de trolls défiants. Ah. Cajamine, au départ, c'est les trolls qui est en mettant en esclavage les gommes. Ouais. C'est grâce à vous que c'est bientôt. Mais tout d'abord, nous faire une sorte que la production reprenne. Apportez l'encouragement de Shippy. Ah, ça va déménager. Oh chien. Des chamans, mais... J'adore la musique des gobelins, genre... C'est la musique qu'on a dans le... Dans le Zeppelin. Ouais. Encouragement, c'est un cadeau. C'est un cadeau explosif. Ok, son de retour. Ah, des vers de tunnel. Alors, je lis et on dit ce qui se passe. En gros, c'est les exterminés. Hélène n'est plus ce qu'elle était. N'oublions pas. J'espère que tu n'as pas copié Pierre ce DVD. Ah. J'ai choisi pour remplir les quotas de Kajakula, le nouveau Coca-Cola. Alors, les escalators. Difficile de trouver une assistant efficace. Ok. Corriger le comportement de 8 trolls. Ok. Donc en gros, il faut un peu Soyez tabasser. Oui, un mec sur un putain de bordel de cartel baïfou. D'accord. Une monture, j'ai jamais vu ça. Veux nous tape méchant. Ah, mais c'est des trolls des. Cavernes. Non, je sais plus. Les trolls verts, c'est pas bon. Hein. Sont pas jolis, les trolls verts. Tout doux. Donc voilà, hein, ça fait que. Ouais, leur mettre des petits coups de taser. Alors que vous bossez mieux comme ça, la bande de merde. Ok, en fait, toi t'as corrigé. T'as corrigé tous les trolls. Ouais, j'aime bien corriger moi. Ah non, parce que ça m'a validé aussi. Ah bah oui, bah, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Oh, tu sais où ils sont ces putains de verres tunneliers hein. Tu vas dans les tunnels. Ça me semble logique. Oui. Mais là dans la cinématique, alors je sais pas si les gens l'ont vu, mais
Genre, t'avais des... Ah d'accord, le mec il met aggro comme ça, genre, sous aucune forme de pitié. Et non, non, le mob, genre, je me baladais d'un coup, il met aggro, genre, à part si c'est, si j'ai lancé une aggro sur lui, en mode, ok. Et donc, t'avais des... tu sais, genre, c'est, il nous montrait un peu la ville sur la cinématique. Ouais. Et genre, bah avec ça, genre à un moment, tu voyais, tu sais, t'as des sortes de cheminées, si on peut dire ça. Et pour les cheminées, genre, t'avais des cheminées qui volaient dans les airs, j'étais en mode, ah d'accord. Ah, très bien. En fait, ce qui est con, c'est que si je dis pas de conneries, le minerai de Kejamin, c'est ce qui a rendu les gobelins intelligents et qui leur a fait prendre le dessus. Mais s'ils font miner ça aux trolls, est-ce que ça va pas se retourner contre eux? On me pose pas la question. C'est le minerai de Kejamin qui a eu des propriétés qui rendent plus intelligent. Et c'est ça qui a fait que les gobelins se sont retournés. Ah. Et est-ce qu'il va pas se passer la même chose? Mais c'est sur plusieurs milliers de... Tu veux comment ça se passe sur l'enfer? Là ils sont tranquilles pour certaines générations. Oh, du Coca-Cola. J'aime pas le Coca-Cola. C'est comme on est pas très bonne. Apportez le pack, le pack de 6. Eh, le pack de 6. Nous, Metalé, on connaît bien le pack de 6. Hein. Une petite binouse. Enfin, moi, Metalé, toi, c'est pas Metalé. Pipi observe d'un homme méfiant le pack de 6, comme si elle s'attendait à ce qu'il explose. Genre, moi, je vais vous faire un cadeau qui explose, ils m'ont fait la même chose. Louche, louche. Fond de ami, mec déchiqué froid du marketing, devrait vous parler. Il est question de votre nouvelle monture. Ah oui, la monture. Me rappeler, les gens, ils étaient tellement contents. Comment c'est une monture? Bah, une monture. On va gagner une monture? Ouais. Trop bien. J'ai entendu dire que vous avez une fête d'entreprise, mais tu as dit que vous êtes venu en train de vous amuser. Non. Vous êtes un tour. Utilisez les clés de voiture. Ah, attends, faut juste que je modifie. En gros, il faut faire un petit tour. Déjà vous, what you can make before. Ah, la radio, ta radio. Allez, c'est, on fait de l'initial D. Ah, il faut récupérer Easy et tout. Oh, mais. Tu la trouves pas trop bien, la voiture? Si, changer la radio parce que c'est de la merde. T'as pas du métal là? Regarde, on a même une piscine chez nous, chez les gobelins. Une des vieilles techno de merde, des années 60. Coup de klaxon radio. J'ai la musique gothique là. Moi j'ai le truc des années 1920. Il y a une piscine avec. Putain, elle est trop bien cette zone. Par contre, je sais pas prendre là. Oh, j'ai la musique de Noël. Mais c'était vive le vent, vive le vent, vive le vent, vive le vent. Mais attends, mais je comprends pas là. Mais tu dois récupérer des gens, genre ça brille. Merci. Ah là-bas, l'autre con, j'avais pas vu. Il y a un gros phare lumineux sur lui, mais... Ah non, si, c'est ça. Ah, je peux renverser les gens, derrière. Mon avocat ne va pas vous rater. Y'en a, ils tirent du... Le volume n'a qu'une seule position. Oh, très bien. Y'en a, ils tirent du... un truc vert. Tom Modet Gobelin, affreusement beau. Mais genre, il projette du... du pipi, je sais pas. Je sais pas, c'est tout vert, donc soit c'est de la menthe, soit c'est du vomi. C'est trop bien. On se reverra au tribunal, Persing. Salut. La hitbox elle est énorme. Mec, on peut faire des drifts. Allez, un petit coup de boost. Moi c'est bon, moi j'ai récupéré tout le monde. Moi j'ai encore une personne. Voilà, ah, c'est dégueulasse, c'est pas ce qui se projette mais... Alors, super monsieur, oh, vous avez tous l'air très impressionnant dans votre bagnole. Je suis certain que vous avez fait forte impression auprès des citoyens. Tribunal. C'est en train de votre équipe de footbomb, les boucaniers de Baifon. Il m'a dit que le titre de la division allait bientôt être disputé contre les requins de gens de pression et que vous êtes le seul qui puisse nous rapporter. Allez en ville, impossible de passer à côté du parc des princes marchands sans le voir. Un star de footbomb, c'est tout bon pour votre image.
Oh, une musique épique. Ça fait ça faisait vachement... Ouais, la musique avec les voix, là. Ouais. Tu sais, ça fait vachement humain, je trouve, le cas. Enfin, ça se rapproche vachement de notre univers à nous, les nains, parce que... Les gobelins, pardon, parce que t'as les avocats, t'as tout. Enfin, je trouve, ça fait... Non mais ça au plus mauvais pire, bien sûr c'est cette racaille se cache dans Trimville, je sais que vous détestez devoir aller dans ces taudis boss. Ah d'accord, je suis devenu le boss, mais que devons-nous faire? J'ai là tous les noms. Donc en gros, il faut tabasser des gens. Salut mon chou. Tu es prêt pour la fête? Non, tu sais que je t'adore, pas vrai, je crois qu'il faut vraiment que tu descends vite acheter une nouvelle tenue pour la fête. Commence par faire un saut à la banque, retire un paquet de radis, n'achète pas de vêtements au rabais. Très bien. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? En fait, clairement, c'est nous, on joue les gens qui veulent... on joue en fait les nains qui... les nains. Les gobelins qui... Bah, qui comparent aux gens de la horde, mais qui au final vont le faire. T'es parti, t'es dehors, là? Ouais, là, je suis dehors. D'accord, t'es pas dans ta voiture là? Si si. Et comment tu fais pour remonter moi? Ah d'accord, c'est dans mon inventaire. Eh, en bagnole les putes. Oh, je fais une descente en enfer. Avant, on va aller parler au parc des princes marchands. C'est qui lui que je parle? Non, avant, on va aller tabasser les gens. Ce sera plus simple. Ah, il faut les rosser les gens, très bien. Attends, j'arrive, là. T'as rendu la quête à la première? Laquelle Non, je l'ai pas fait parce que j'ai peur, c'est que ça amène direct. Vu que c'est une quête, on va dire la quête principale. On a Bruno, l'omnifuge, quitté. Je reviens, c'est tous les mecs dans les granats, mon gars. Ouais. Ah, c'est jouissif. Ah, je ne te vois plus. Ah, c'est, je te vois sur la carte. Par contre, je ne sais pas par où tu es passé. Bah, t'as un chemin qui amène. Voilà, avance et tu vas sur le côté. T'as pris la route? Non. Ah, t'es descendu? Oui. Bon, Bruno, il a été rosé. Allons tuer Savon Mage. Plutôt rosé. On dirait un Mac, le mec. On dirait un Mac. Un Mac et un proxénète. J'ai une vieille machine nerveuse, je vais pas te faire autre chose. Putain. Ah, t'as dans le dos, t'as un H. Donc je tombe. En fait, alors je sais pas. Le visage, pas le visage. Normalement les voleurs ils font plus de dégâts quand ils attaquent dans le dos. Attends, oh la goblin, ça va, on dirait une gamine quoi. C'est jouissif, j'adore les enfants moi. Moi aussi. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Ah ma voiture s'est enlevée sous l'eau, très bien. Jack le marteau. Oh, ça c'est un gros ça. Oh putain, il m'a envoyé valser mec, genre en mode hey, c'est juste ça. Ils attaquent pas les connards là? Si si, ils attaquent. Je vais pas attaquer cette fille. On a Franky Glissécrou qui est juste là en train de faire étendre le linge. Elle fait son rôle de femme. T'es gueule. J'en sais prendre comment ça. Vous êtes en train de combattre mes fesses. Déjà vous. Allons à la banque centrale pour aller chercher des vêtements. Ah, on a le prince marchand Galliwix. Eh, coucou Galliwix. Vous pensez que vous pouvez vous pointer comme ça et prendre ma place? Bon, arrêtez de rêver gamin. J'ai entendu les rumeurs du coin, mais ça va, les gens qui vous entourent au siège sont tous des lèche-bodes et des flagonneurs prêts à tous pour grimper les échelons. Je le sais bien, c'est moi qui les ai tous engagés. Votre association fulgurante est un coup du hasard. Je peux très bien vous remettre à votre place. Attention, vous mettez pied à Trapsou. Qui sait quand vous aurez besoin de moi? C'est vrai. J'aime bien, regarde, ils font tous la queue. Allez, ça m'a fait descendre ma bagnole. C'est vous? Qu'est-ce que vous fichez aussi loin du boulot? Oh, tu passes devant tout le monde, mon gars. D'accord, Galliwix qui m'insulte. Restez à l'écoute. Allez hop, du cajou. Ah, qu'elle est gavée de thunes. T'as vu ce qu'ils disent dans le chat? Non. Allez, j'en scotte. Ah, bref, et regardez, c'est Persing, je parie qu'elle est gavée de thunes. On raconte qu'elle veut prendre le boulot du prince marchand. Ah oui.
Prendre la bagnole peut-être. Ouais, moi aussi. Prendre la caisse. Est-ce qu'il va voir ce qu'il y a comme geek sur ce lieu du vieux jazz? Non, on est habitué. Ah, ça me dit que de Noël, on garde. Faut une note pour ma fête, un truc dans le coup. Le chef-d'œuvre, n'êtes pas digne d'un tel mélodieux. Mes ados ont besoin d'argent. Nouvelle tenue branchée. Allez. Ah, ces vieux Larsen, ils sont dégueulasses. D'accord. L'autre. L'autre, il va faire le petit genou du pote. C'est toi qui rigole là? Non, pourquoi? Je sais pas, genre, t'as vu quelqu'un qui rigole en mode. Non, c'est pas moi. Attends, t'es parti où là que. Là, j'avais pas eu. Ah, mais il y a des flèches maintenant. Ah oui. Pour t'indiquer, parc des premiers marchands, banque centrale. Je vais aller parler à match de sélection là pour voir. Entraîneur. Je vais faire... Vous avez gagné, nous rapporter le titre. Vas-y, je t'attends pour faire le titre. Pour ouais. Le match de foot. Mec, on va faire du foot, trop bien. Oh ouais, on va parier. Je parie sur notre équipe. Par contre, là, du foot avec des boucaniers de Baïfon. Hein, donc avec des si et tout. Ah, là vient le public. Ah. Allez, vas-y, dépêche. Ah, mes joueurs sont tous sur le banc des blessés, on dirait le. Tu sais, il y a un jeu comme ça avec l'univers de Warhammer où c'est du. C'est du Blood Bowl, je crois, Blood Bowl, genre un truc comme ça, c'est du. Tu sais, football américain, mais façon bien sanglant. Moi, j'ai accepté les trucs, il faut okay. Les pièces de rechange. Non, il faut donc des pièces de rechange. Ah, les chargeurs. Ah par contre, ça ressemble à quoi leur pièce de rechange? C'est quoi leur pièce de rechange? C'est une bonne question. Ah, si, c'est bon, c'est des grosses caisses métalliques. C'est quoi ces histoires de fête? Ah. Personne m'a invité! Ah, il est triste. Là, j'en ai trouvé une autre ici. J'ai des piques. C'est pas respecté, Galiwix. Hein. Pièce de rechange. Ah, c'est à Kesa. C'est un peu relou ce genre de quête où les caisses sont bien séparées. Ouais, c'est ça. J'en suis à 4 sur 6, moi. 2 sur 6. Ah. La hitbox, elle est super longue, hein. C'est-à-dire, les trucs sont à 14 km devant toi et tu les renverses quand même. Ah bah, clairement. Ouais, j'ai récupéré toutes les pièces. Je suis à 4 sur 6. À 4 sur 6, monsieur. Ah, y'en a une qui dit apprends à conduire, espèce de taré. Ça fait rien à foutre! Rien à branler! T'en es à combien là? Qui te branle? Je suis à 5 sur 6. Tu peux trouver la dame. Moi, j'en... Je l'ai trouvé! Ouais, c'est bien. Waouh! Wow. Comptons sur vous! Eh, c'est mon poulain, il n'y a plus qu'à même une de ses carcasses en état de moche. Grimpez sur le boucanier. Attends-moi pour ça. Hein. Et puis lancer la bombale sur 8 requins. La bombale. Vas-y, rends la quête et on lance en même temps. On fera le 3, 2, 1, let's go! Alors, je sais pas si on peut. 3, 2, 1. Requin de touché par la bombe. Là. Oh, c'est pas dur en fait. Okay. J'ai l'impression que c'est pas partagé les quêtes. Non, mais c'est chacun de son côté. Marquez le but de victoire en lançant la bombale entre cheminées derrière les ennemis. Si loin qu'elle vole entre deux cheminées derrière lui. J'ai modifié le ballon pour donner la puissance supplémentaire.
C'est simple, hein. Pourquoi il y a Eldemort là? What? Mec, genre ils me disent de balancer lancer entre les deux cheminées, mais. Et en fait, je peux pas virer de du truc là. C'est lancé, mais. Ouais, ça te valide pas. Si, moi c'est validé. De quoi balance. Bon, balle lancer entre les cheminées? Ouais, il faut le lancer entre. Tu appuies sur 1 et ça va le lancer tout seul. Ouais, mais moi ça valide pas, hein. Et c'est un peu long. Il y a Eldemort qui est passé mon gars, j'ai rien compris. What the fuck? Pourtant moi je le fais, ils applaudissent et tout hein, mais ça valide pas. Ah, essaye de redémarrer, je sais pas. Attends, je vais redémarrer. T'as de la gobeline en attendant. Mon portefeuille est en hausse. What the fuck? Et la plupart de mes liquidités sont il a disparu. Attends, je vais parler. Payer en post-dividende, racheter à découvert. Ma fortune est faite. D'accord. Très bien. Déjà, il a disparu le. Petite le. Et doué de mes mains. Vous pouvez résister à ça? What the fuck? Ouais, sinon tu réapparais le. Attends, je vais faire. La gamine. Ah, c'est fallu annuler la quête. Ah bah c'est bon. Tu vas rien comprendre à ce qu'il y a. En fait, il fallait juste que... Voilà, je... Ah oui, d'accord, elle demeure qu'elle passe. Ah ! Comment ? Ah ! Regardez, il y a un dragon ! Tu pleures ! Ah ! Ah, il se rapproche. Ah, ah, mais qu'est-ce que ce dragon fait au mont Kajaro? Ah, pourquoi est-ce que le sol tremble à Trapsou? C'est quoi ça, mon pote? À l'aide! Sur ce, on vous laisse sur ça et on vous dit à la prochaine si on survit. Ah.